ma soeur. Alléluia. Monte ici, tu as la grâce aujourd'hui de monter ici. Nous acclamons très très fort le Seigneur. Mes frères et sœurs, vous avez un grand bonjour et un grand bonheur. Parce que le Seigneur nous fait toujours un grand bonheur. Amen. Nos enfants, mon enfant qui a été très malheureux parce que j'étais très sévère, il m'en voulait, il disait « Maman, t'es plus ma maman, maman, ceci, maman, cela. » Aujourd'hui, il a 40 ans, il me dit « Maman, je te demande pardon pour toutes les méchancetés que je t'ai dit, que je t'ai fait. Maman, je te demande pardon. Maman, je t'assure que je prie. Maman, je prie, je te l'assure. » Alors, mon Dieu, qu'il le bénisse. Amen. Il continue à le bénir et vous en fait aussi. Amen. 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 Nous acclamons très très fort le Seigneur. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, on a prié pour Paul André qui se trouve en Suisse. Alléluia. Amen. Et Dieu a donné la conviction comme quoi il va servir le Seigneur. Amen. Il y avait un conflit entre lui et sa maman. Parce que pendant qu'il grandissait, la maman était stricte, elle était sévère. Parce qu'elle a élevé toute seule. Donc elle a dû être stricte à la fois le père et la mère. Et il était frustré par rapport à cela. Il y avait comme un conflit. Et j'ai dit à maman, on va prier. Il n'y a que la prière qui peut résoudre les conflits familiaux. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il a pris le téléphone, il a appelé sa maman. Il dit, maman, je te pardonne. Maman, pardonne-moi pour les méchancetés. Amen. Amen. Voyez comment la prière réconcilie. Alléluia. Amen. Acclame très très fort. Amen. Notre Seigneur agit. Mmh.